Bon, c'est clairement la belle histoire du moment et ça fait plaisir. En l'occurrence, Forza Horizon 5 explose record sur record. Avant même sa sortie officielle, déjà, il y avait plus d'un million de joueurs, et maintenant que ça y est, il s'est bien lancé en début de semaine, eh bien on va pas y aller par quatre chemins, mais c'est un triomphe. En l'occurrence, eh bien Phil Spencer, le boss de Xbox, a précisé un peu les contours de ce succès. Et regardez, il prend la parole, il donne des chiffres, je m'en vais tout vous traduire. Nous investissons depuis des années dans la Xbox afin que plus de personnes puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie. C'est le plus grand jour de lancement pour un jeu Xbox Game Studios, avec un pic de joueurs simultanés trois fois supérieur à celui enregistré pour Forza Horizon 4. Merci aux joueurs et bravo à Playground Games. Ah bah clairement, bravo, hein, que ce soit visuellement, ludiquement et commercialement, c'est un grand succès. Alors, je trouve aussi que c'est la matérialisation de la puissance du Game Pass. On en parlait hier soir dans l'émission, le grand bilan pour fêter les 1 an des Xbox Series. Si vous l'avez manqué, il y a eu du débat avec des invités de la Libre Antenne. Eh bien, ça vous attend au chaud juste ici. Hein. Il y a eu beaucoup de points de vue qui ont été évoqués. Bah justement, hein, le Game Pass, c'est clairement la possibilité à de nombreux joueurs qui n'auraient peut-être pas essayé Forza Horizon 5, qui n'auraient peut-être pas voulu payer au prix fort pour le découvrir, eh bien d'embarquer. C'est pour ça aussi hein, que les chiffres de lancement sont si stratosphériques, puisqu'on ne parle pas véritablement de vente, mais de nombre de joueurs qui ont eu accès au jeu. Mais à la fois, vu la qualité du titre, quand on y a goûté, bah, on a envie d'y rester, et donc bah, ça fait de la rétention, et on le sait aujourd'hui, c'est un aspect extrêmement important de l'industrie du jeu vidéo. Donc, eh bien bravo à Playground Games, et clairement, sur ce point, Microsoft a véritablement choisi, à mon sens, la philosophie peut-être gagnante, hein, de cette génération à suivre.